Hey, bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans ce nouveau live. Et pour ceux qui sont sur YouTube, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. J'espère que vous allez tous bien. Donc aujourd'hui on se retrouve, on est le matin parce que je ne peux pas live, ou en tout cas ça va être compliqué pour moi de live les autres jours. Enfin pas les autres jours mais aujourd'hui en tout cas. Donc je profite de ce petit moment pour live. Donc j'espère que vous allez bien. N'hésitez pas à prendre quelque chose à manger, à vous de, à quelque chose à boire, à vous mettre bien dans tous les cas. Et comme d'habitude, je vais faire la petite promo sur le Twitter. N'hésitez pas à partager, comment dire, les tweets, etc. Je rappelle, le Twitter c'est Ati et vous avez tous les vous avez le lien dans la bannière, dans la descriptif de la chaîne Twitch, donc n'hésitez pas à aller suivre, ça fait super plaisir. Donc on y va. Et c'est parti les amis, et c'est parti. Donc alors, on va voir déjà au niveau de nos missions. D'accord, donc il faut qu'on fasse ça. Ok. D'accord. Mais pour l'instant, on va rester là-dessus. Hein. On va rester là-dessus. Hop. Donc on va aller à la Kaiba Corp. Alors attendez, non. On va faire autre chose, les amis. On va faire autre chose. On va aller ouvrir une petite boîte. Parce que j'ai regardé un peu les listes de decks, etc. Et en effet, il nous manque quelques cartes. Donc on va aller, comment dire, directement... paf, 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 à la boîte où on avait vu, paf, Power of Bravery. Et on va ouvrir 10 packs. Donc on y va. Il nous faut le petit téléphone, le microscope, ça serait pas mal. Et voilà, du coup on y va. Let's go. Ok. Ok. Mémoire d'un adversaire. Lorsqu'un monstre de votre adversaire déclare une attaque, vous recevez des dommages égaux à l'attaque du monstre attaquant. Si vous le faites, bannissez le monstre. Durant la end phase du prochain tour, votre adversaire invoque spécialement le monstre sur votre terrain. En effet, c'est pas mal. Surtout si t'as beaucoup de points de vie, tu peux clairement te le permettre. Oh! Ah! On sait ce que c'est ça. Haha! Parfait, parfait, parfait! Un synthoniseur lumière et un monstre non synthoniseur ou plus. Les cartes d'équipement équipées à cette carte ne peuvent pas être ciblées par des cartes ou des effets. Une fois par tour, vous pouvez envoyer une carte d'équipement équipée de cette carte au cimetière pour cibler un monstre contrôlé par votre adversaire, détruisez la cible. Donc c'est ultra utile, surtout dans notre deck. Donc on va clairement la mettre dedans. Ok, let's go. Ça va, ça commence bien. Hein. Rage de ferraille, fracasseur de ferraille et dragon électromécanique en une ultimate rare. Donc, eh ben, c'est notre troisième, les amis. Notre troisième dragon électromécanique. On a pas mal de chance sur cette ouverture. Zygma Villon. Donc, je crois qu'on l'a déjà. Plutôt pas mal. Plutôt pas mal, plutôt pas mal. Ouais, ouais, ok. Pas grand-chose dans celui-là. Ok, celui-là non plus, il nous reste 3 packs. Cube Villon. Si cette carte est envoyée au cimetière pour l'invocation synchro d'un monstre lumière, vous pouvez ajouter une carte magie d'équipement depuis votre deck à votre main. Plutôt pas mal. Allez, on y va. Cool, allez. Une petite SR, ça serait cool. Ah, peut-être. Et le papillon Naturia, malheureusement. Bon, c'est pas grave. Ok, le dernier pack. Bon, on n'aura rien dedans, malheureusement. Bon, c'est comme ça. On peut pas toujours avoir des bons tirages.
Donc on y va. Ok. Donc on va aller directement à l'éditeur de deck. Hop. On va aller dans notre deck. Et on va retirer celui-là et on va ajouter celui-ci. Voilà. Donc on a Dragon Aile Sombre qui pourra nous être utile. Notre dragon poussière d'étoile. On a deux dragons électromécaniques et un Epsilon Vélon. Donc qui est très utile, surtout avec, avec nos cartes. Donc on a Accélérateur Bovtronic. On a Décharge Robotique. Contrôleur d'ennemis et deux perceuses et tronçonneuses. Donc plutôt pas mal. Je pense qu'on va. Alors attendez, excusez-moi. Je réfléchis. Alors, annuler l'activation d'une carte magie ou piège qui doit détruire un monstre morphtronique. Face recto que vous contrôlez, détruisez-la. Ajoutez une carte morphtronique depuis votre deck à votre main. Ou sinon, on a le transformisme, donc activable uniquement lorsqu'un monstre morphtronique face recto que vous contrôlez est sélectionné comme cible d'une attaque. Annulez l'attaque et changez la position de bataille du monstre morphtronique sélectionné. Je pense qu'on va enlever cette carte-là. En vrai, on aurait dû enlever celle-là. C'est pas grave. C'est pas grave, c'est pas grave. On va remettre celui-là. Et on va mettre une magie d'équipement. On peut mettre quoi comme magie d'équipement? On a celle-là. Donc on va mettre celle-là. Donc là on est pas mal, je pense. En fait, on aurait été mieux si on en avait 3. On en aurait enlevé un ici. Ouais, ça aurait été mieux. Mais malheureusement, c'est pas possible. Donc on va sauvegarder comme ça, les amis. Et on va. Hop. Clé de portail. Ok. Et on va, comment dire, aller voir. Parce que je crois qu'on a nos missions. Et dont on doit, comment dire, faire pas mal avec la Kaiba Corp là. 5 duels JCJ. Donc il faudra qu'on le fasse aussi. Disputer un duel. Disputer deux duels. Disputer trois duels. D'accord. Et les spéciales, c'est quoi? Ok. Terminer la phase 6, d'accord. Disputer un duel en utilisant Joy Wheeler, ok. Gagner 3 duels dans le monde de duel, exécuter une invocation sacrifice. Bon, on se fera un petit deck après. Pas de soucis. Donc on y va. Ouais. Let's go. Donc on y va. Faut qu'on ait dispute 3. Donc on va en disputer 3, les amis. C'est parti. Ok. Il joue Jaden, donc sûrement héros élément. Héros des éléments. On joue en deuxième. Alors qu'est-ce qu'il va faire? Vu que je connais pas encore super bien le jeu, ça risque d'être un peu compliqué. Surtout s'il a des monstres un peu avec des mécaniques un peu étonnantes dont on n'a pas l'habitude. Yes. Alors, cette garde gagne 800 points d'attaque pour chaque carte équipement liée à elle, d'accord? En position d'attaque, une fois par tour, vous pouvez retirer du jeu un monstre morphtronique de votre cimetière. Pour ajouter un monstre morphtronique avec le même niveau que ce monstre depuis votre deck ou votre main. D'accord. Ça, c'est quoi? Envoyer un monstre morphtronique depuis votre main au deck, détruisez une carte sur le terrain et piochez une carte. Ouais. Alors, on va invoquer lui. On va activer l'effet. Enfin, on va pas activer l'effet, mais on va le lier à lui là.
Hop, on va activer l'effet. On va. Je sais pas si sa carte piège. Je pense que c'est plus son monstre qui me dérange. Hop, donc on va envoyer le téléphone plutôt. Ok. Et on a repioché un truc, donc très bien. Hop, on va activer l'effet. Boum. Ok. Et du coup, maintenant, on va combat. On va lancer un combat et on va attaquer directement. J'espère que sa carte piège va pas trop nous faire mal. Et parfait, ça passe. Ça passe, ça passe. On termine notre tour. D'accord. Donc il a mis son terrain. Ok. Est-ce qu'il fait comboter? Ça fait quoi son terrain déjà? Lorsqu'un monstre dont le nom contient. Alors, hop, on va juste piocher. Radiant Morphtronic, qui est une très bonne carte. Que vous contrôlez, gagne. Alors, attendez. Boum. Attaque. Alors. D'accord. Très bien. Du coup, qu'est-ce qu'on va faire? Est-ce qu'on fait ça? Dans le cimetière, j'en ai pas. Est-ce qu'on vous invoque. On va l'invoquer en invocation normale. Hop. On va pas faire d'invocation synchro tout de suite. On va lancer le combat. Hop. Ok, let's go. Et on termine notre tour. Est-ce qu'il va faire quelque chose? Je sais pas trop. Parce que du coup, vu qu'on a deux monstres, on attaque deux fois. D'accord, donc il a abandonné. On a gagné, cool. On a gagné notre premier combat. Ok, suivant. Très bien. Ok, 40 gemmes qui font plaisir. Ok. Hop, on va lancer un duel encore. Il faut qu'on en fasse 3, les amis. Yo, salut à toi, Maxime. Donc on y va. Petit deuxième, enfin le deuxième duel. On va voir si c'est... Si ça passe, il joue Rex Raptor. D'accord. D'accord. Voyons voir. On joue en premier. On joue en premier. Alors voyons voir. Ça avance ton deck. Ça avance, ça avance. Il nous manque 2-3 cartes, mais en vrai, on est plutôt pas mal. Bah, tu vas le voir par toi-même. Tu vas voir par toi-même. Hop, donc on invoque le microscope. Ouais. Let's go. Cool. On active son effet. Paf. On va invoquer lui en position d'attaque. Donc on invoque Spé. Ce qui fait que on peut.
Boum, invoqué spécialement. Paf, donc on est parti. En position d'attaque. Malheureusement, on n'a pas d'attaque auquel on n'a pas de carte à quelle lier. Donc, on va activer son effet. Voilà. Et du coup, on va révéler trois cartes d'équipement. Voilà. Et du coup, lui, il va devoir péter d'air dès le premier tour, sale crack. Mais en vrai, ça, il tourne plus ou moins bien, mais il pourrait tourner mieux. Il pourrait tourner mieux. Mais on m'a un peu aidé quand même, hein, on va pas se le cacher. Du coup, paf. Donc, on va pas activer son effet, on va le lier à lui. Donc, voilà. Ce qui fait que s'il est attaqué, on pourra détruire la carte, cette carte-là pour éviter qu'il soit détruit. Voilà. Et du coup, bah, hop, on termine notre tour. Voilà, premier tour. Le premier tour est pas dégueu, je trouve. Il aurait pu être un peu mieux, mais il n'est pas dégueu. Il n'est pas dégueu, il n'est pas dégueu. Ça va. Qu'on va bien voir. Parce que ça se trouve, lui, il a un jeu incroyable et on le sait pas, hein. D'accord. Il termine son tour, très bien. Yes, carrément. Hop, donc on va invoquer normalement cette carte-là. Voilà. On va activer notre carte magique. Carte à détruire. On va détruire son monstre. D'accord, donc il la chaîne. Tac, donc on va activer l'effet. C'est-à-dire qu'on va bannir son monstre du coup. Ce qui va nous booster. Et du coup, on va pouvoir attaquer et détruire son monstre. Voilà. Et du coup, hop, on attaque directement. Et ça fait plaisir. Je pensais qu'on pouvait le terminer ce tour-ci. Bon, il a cancel notre carte, malheureusement. C'est pas grave. C'est pas grave, c'est pas grave. Il invoque un monstre, le même. Et il va nous attaquer. Bon, on perd un peu de points de vie. C'est pas grave. C'est pas très grave, les amis. Alors, hop, on pioche. Ok. Hop, on va le faire. On va activer l'effet. Boum. On va le renvoyer sur le terrain. En position d'attaque, évidemment. Voilà, on va activer l'effet et on va bannir son monstre. Est-ce qu'il fait quelque chose? Il va essayer de le chaîne. Il le fait pas. Ouais. Et ça fait quoi? Ah, il le réinvoque sur le terrain. Ah, pas cool. Pas cool. Combat. Bon, et eh ben écoutez les amis, yes. On va attaquer le plus fort. Hein. On va clairement attaquer le plus fort. Pour éviter qu'il nous détruise au prochain tour, en fait. Ben, on peut rien faire d'autre, les amis. On va terminer notre tour. On a mal joué, on a mal joué, on a mal joué. C'est pas grave. Et réinvoque un monstre. Toujours le même. Il en a combien dans son deck? Il en a 3. Affolant. Hop, on pioche.
Hop, on va poser. Et on va. Parce qu'en fait, le truc, c'est que vous ne pouvez pas attaquer directement. Si cette carte est bannie, vous pouvez invoquer spécialement cette carte, machin. Ok. Donc on va pas refaire et on va terminer notre tour parce qu'actuellement, on peut rien faire. Donc voilà. Compliqué, compliqué, compliqué. On va essayer de voir. Pour l'instant, on grille un peu trop nos cartes. Il y a moyen qu'on se refasse. Il y a moyen qu'on se refasse. Non, non. Salamandra, colonie du mal. Vous pouvez bannir un monstre depuis votre cimetière. Alors, j'ai pas vu. Alors, c'est-à-dire jusqu'à la fin de ce tour, votre adversaire, cette carte garde 300 d'attaque. On va rien faire. Hop, voilà, on va faire ça. Voilà. Bah oui, hein. Il va attaquer ici, je suppose. C'est pas grave. Est-ce qu'on a perdu, je pense. Que vous contrôlez, sélectionnez comme cible d'attaque, annuler l'attaque. On va poser, malheureusement, on ne peut rien faire d'autre. C'est la misère. Terminer le tour. Malheureusement, je crois que nous allons perdre. Je crois que nous allons perdre. Il a juste à passer son monstre en position d'attaque et à invoquer un monstre et c'est bon. Ok. Et oui, et du coup il le fait revenir sur le terrain. Ouais. Dommage, dommage. Ça a mal tourné, malheureusement. C'est pas grave. C'est pas grave, c'est pas grave. De toute façon, il faut qu'on gagne des diamants. Vas-y, termine-moi. Termine-moi, termine-moi. Ah, il m'a même pas... What? Il m'a même pas terminé? Yes, mais ça change rien. Activable uniquement lorsqu'un monstre contrôlé, ce qui est comme si annuler l'attaque et charger la pression. Yes, bah vas-y, hein, on va faire ça. C'est dommage. Je crois pas qu'on puisse s'en sortir actuellement. On va activer l'effet. Malheureusement, je ne crois pas. Ouais, c'est dommage, malheureusement. Pouf, pouf, pouf. On va faire ça. On va activer son effet. Hop, on va faire ça. Du coup, on va reprendre celui-là. Malheureusement, on peut pas l'invoquer et je suis bête. Bon, bah tant pis. On a perdu, les amis. On a perdu. Hop. C'est dommage. C'est dommage. C'est dommage.
C'est pas grave. Bien joué à lui, bien joué à lui. Et on est reparti, les amis. On y va. Seto Kaiba contre Yami Yugi. On joue en deuxième. D'accord, donc déjà on a dans notre tour on a une invocation synchro. Il joue Sabre X. Ok. Hop. On est parti. Donc on y va. On va activer son effet. Ok, on va activer l'effet, on va l'équiper. Ok, on va en combat. Il a un effet, il n'a pas d'effet. Donc on y va, let's go. Paf, et on termine notre tour. Et j'ai gagné, parfait, il a abandonné. Ok. Bon, deux victoires, une défaite. C'est déjà ça. Pioche de vie. C'est quoi pioche de vie? À Drophase, au lieu de piocher normalement, récupérer 300 life points. Cette compétence ne peut être utilisée que 3 fois par duel. D'accord. Ok. Ok. Et on a eu le petit 2 là. Ok, cool. Rapide, efficace, carrément. Carrément, carrément. Mais faut qu'on essaye d'être encore plus efficace que ça. Hein. Faut qu'on essaye d'être encore plus efficace que ça. Donc on va y aller. On va tout recevoir. Voilà. On a tout reçu et ça, quel plaisir. Ok. Événement, disputer 3 duels en la coupe. Les abandons ne sont pas pris en compte. Ah mince, j'ai abandonné, j'aurais dû perdre. Bon, il faut qu'on en refasse un, les amis. Il faut qu'on en refasse un. On y va. Ok. Alors il joue qui? Kaiba. D'accord. Allons-y. On joue en premier. On pose ça. On va jouer. On va jouer ça. On va activer son effet. 3. Bon, bah tant pis, on a mal joué, c'est pas grave. On va le. Ah, on doit l'invoquer.
Une fois en position défense, vous pouvez envoyer un monstre morphtronique depuis votre main au cimetière, ajouter un monstre morphtronique avec le même niveau que ce monstre depuis votre cimetière à votre main. Écoutez, on va le mettre en défense pour commencer. C'est pas grave. Et on a terminé notre tour. Ok. Une carte magique, sauf que là c'est une carte piège, donc ça fonctionne pas. Donc s'il est intelligent, il va pas m'attaquer. Bon, bah il attaque. Donc, je vais invoquer monsieur. Pour ensuite, invocation spéciale. Donc là, on peut en faire plein. On va quand même invoquer lui. En position d'attaque. Je sais pas si c'était une fois par duel, une fois par tour le téléphone. Je sais plus du tout. Activer l'effet. On va activer l'effet. On fait un 4. Ok. Ok, plutôt pas mal. Ce sera lui qui ne sera le plus utile dans un premier temps. Hop, et du coup on passe en phase de combat. Du coup, paf, on tape. Mince, j'ai pas fait son effet, je suis bête. Oh, j'aurais dû faire son effet, j'ai loupé. Mince, bon, c'est pas grave. C'est pas grave, c'est pas grave. Bon, j'ai raté. J'aurais dû activer son effet, prendre une carte d'équipement et vu qu'il avait des... Bref, c'est pas grave. J'aurais dû. J'aurais dû, j'aurais dû. Il prend un monstre en position de défense. Fusion aux yeux rouges. D'accord. Ah, il va invoquer un dragon noir aux yeux rouges. D'accord. Il est peut-être en train de chercher dans son deck là. Ouais, c'est ça. Sympathique. Il va attaquer lui ou lui, sûrement. Peut-être lui. Ou lui pour me faire des dégâts. Mais je pense que ce serait plus Strat qui tape lui. Voilà. Comme ça. C'est quoi son effet? Vous pouvez cibler un monstre guerrier de votre cimetière et qui peut la cette carte comme magie d'équipement. Ok. Ça lui donne 3000. Habile. Il a quoi dans son cimetière? Il a des monstres ou pas dans son cimetière? Ok. J'ai pas de synthoniseur. Ce qui pose, à part lui, ce
qui pose souci. C'est pas grave, on va l'invoquer normalement. Est-ce que c'est... Yes. Donc on va, hop, invocation spéciale. On va invoquer... Lui. Position d'attaque. Alors, j'active son effet. 3, voyons voir. C'est sur lui que je voulais tomber. Hop. Tac. Donc on va faire ça. J'active son effet. Hop. Dégage. Dégage. Ah, j'ai pas lu en entier son monstre, il va faire quoi? Ok, il va faire ça à la place. C'est pas grave. C'est pas grave, c'est pas grave. On peut pas activer son effet. Je vais quand même activer celui-là. Hop, on va équiper. On va activer l'effet. Du coup, on va le bannir. Hop, combat. Flip. Et nous avons perdu. C'est pas grave. C'est pas grave, c'est pas grave. On a perdu, les amis. C'est pas grave. Je pensais que ça donnait plus en vrai. C'est pas grave. Vas-y, tue-moi. Donc on sera à 2 victoires, 2 défaites. Il va bannir, il va gagner 200. Enfin, il va l'utiliser comme matériel. Il me reste 100 points de vie. Est-ce qu'on peut aller le taper ou pas? En vrai, je sais pas. En position d'attaque, une fois par tour. Vas-y, on va essayer. Je sais plus ce que j'ai dans mon cimetière, pour être honnête, c'est pas grave. On va activer l'effet. Bah on va, hop, clac, on va bannir. Boum. C'est dans ma main, c'est pas invocable sur le terrain. Eh dommage, eh bien joué. Il l'invoque spécialement. D'accord. Malheureusement, je peux pas, dommage. Dommage, dommage, bien joué à lui. Bien joué à lui. Il tombe pas assez bien encore, ou je sais pas encore assez bien l'utiliser, malheureusement. Mais c'est pas grave. Vas-y, fais-toi plaisir. Vas-y, vas-y. Ok, c'est pas grave. C'est pas grave, c'est pas grave. Ok.
Hop, les petites missions, tout recevoir. Spécial, tout recevoir. Du coup, il nous faut cette tunasse. Ah, mince. Dommage, dommage, dommage. C'est pas grave. C'est pas grave, les amis, on est reparti. C'est bon, ça marche. Qu'est-ce qu'on va faire maintenant? On va en refaire quelques-uns quand même. Parce qu'il y a pas mal de récompenses, pas mal de diamants, il faut qu'on ouvre des packs. Ce qui nous manque encore pas mal de choses. Après, on ira voir au niveau des tickets, voir s'il y a un smartphone Morphtronic qui nous serait pas mal utile. Sinon, on va devoir avancer dans l'histoire, dans les phases, hein. On va faire ça, les amis. Ok. On joue en deuxième. Ok. Ah ouais, rapide. Yes, c'est là. Et on va envoyer à Mister. Ok, cool. Du coup, on va l'invoquer. On va l'équiper. On va activer l'effet. On va la dégager. On va mener au combat. Et on va attaquer directement. Kuribo, il annule l'attaque. Ok, pas de soucis. Hop, et on termine le tour. Ok. Hop, on va changer en position d'attaque. On va invoquer normalement. Hop, on va activer. Clac, on va aller au combat. On va attaquer sa carte. Hop, et on va attaquer directement. Est-ce que ça passe? Ça passe. Parfait. Et on termine le tour. Ok. Il peut faire une invocation sacrifice du coup. À 2 étoiles. Ok. Ok. Alors, une fois par tour, vous pouvez cibler 2 cartes de bête spirituelle bannie, renvoyez-les au cimetière. Ok. Je comprends pas tout ce qu'il fait, mais c'est pas grave. Ok.
Il blinde sa défense. D'accord. Il invoque. D'accord. Ok. Il va refaire ça pour se booster, c'est ça? Ok, ça va être long et chiant. Ok. Il essaie de me tuer en un tour. Il va essayer de me tuer en un tour. Du coup, il va réinvoquer spécialement son monstre qui va être boosté à mort. Voilà. Ok. Allons-y. J'ai quoi dans mon cimetière? J'ai que des cartes magiques. Ok. C'est pas grave. Ok, elles sont normales. On sait jamais. Hop, et je termine mon tour. Donc en fait, son monstre, ça sert clairement à laver mon board pour pouvoir, comment dire, taper directement les points de vie. Donc il va sacrifier les deux là pour réinvoquer sa bête à 3000. Est-ce que ça marche aussi pour les cartes pièges? Je ne sais pas. Je vous avoue que là, actuellement, c'est un délire. Je ne sais pas ce qui se passe. Il invoque spécialement son monstre. Ok. Ok, vas-y, continue. D'accord, donc il va invoquer un gros monstre. Ok. Bon, bah, il a gagné. Mais bon, on va pas quand même, voilà. Voilà, c'est pas grave, c'est pas grave, c'est pas grave. Bien joué à lui. Bien joué à lui. Bon, actuellement, on se fait laver, hein, on va pas se le cacher. Ok. Faut qu'on en fasse 7, histoire d'avoir les petites gemmes là. Donc on va y aller. On continue. On va essayer de réussir à maîtriser ce deck, hein. Malheureusement, on a du mal en ce moment. C'est pas grave. On va y arriver, les amis. On va y arriver. On y va. C'est Tokaiba contre Yami Yugi. D'accord. On joue en deuxième. Ok. On a les deux d'un coup. Il
De cartes pièges, ça peut faire mal un petit peu là. D'accord, donc il joue dragon. Ça serait bien d'avoir comment ça s'appelle? Le microscope là, Morphtronic. Très pas mal. Malheureusement, ce n'est pas le cas. Donc on va y aller. On peut pas faire grand-chose d'autre. Ok, ça devrait suffire. Et c'est parti. Tu vois, tous les monstres à effet exclu face radio sur terrain ne sont pas affectés par les autres effets de magie. Ok. Il va invoquer qui? Il termine son tour. D'accord. On va l'invoquer. On va activer. On va l'équiper à lui. On va activer son effet. Hop, on va le bannir. Hop, on va au combat. On y va. Et on attaque direct. Parfait, on a gagné les amis. On renoue avec la victoire. Ah, enfin. Ok, ça marche. On a gagné. Ah, ça faisait longtemps. D'accord. Suivant. Parfait. Parfait. Alors, on passe au niveau 4. Je suis pas sûr que ce soit une si bonne idée que ça. Sachant qu'on avait quand même pas mal de mal jusque-là. On y va, on va jusqu'au 7 là. Allez, petit duel. Faut qu'on débloque le personnage de 5DS, donc il va falloir qu'on avance pas mal dans l'histoire après. Une fois qu'on aura réussi à faire notre deck comme on veut, on va avancer dans l'histoire histoire d'avoir le perso et puis voilà. Et puis voilà. D'accord. Donc il va jouer des Xyz, ce que je ne connais pas. Je ne sais pas du tout. Je joue en premier, ce qui m'avantage pas. Bravo, merci. Voilà, donc ce qui m'avantage pas des masses, c'est à moi de jouer. Donc on va l'invoquer normal. On n'aurait pas dû l'invoquer comme ça, mais c'est pas grave et on termine notre tour. On aurait dû le mettre en mode défense. On s'est trompé, c'est pas grave. Il a 8 cartes dans son extra deck. Ça doit vraiment être un craquito, pardon. Ça va être compliqué pour nous. D'accord. Donc il a 2 niveaux 4. Donc je suppose qu'il va faire une invocation Xyz. Voilà.
Samouraï Gagaga. D'accord. Yes. Allez, lave-moi comme il faut. Ok, bon, bah écoutez les amis. Ah, il peut attaquer deux fois. Habile. C'est à peine cheaté en fait. Ah, c'est cheaté à mort. On va faire ça. Clac, on va l'invoquer. Position d'attaque. Ok, on va l'invoquer normalement. Voilà. Invocation spéciale, boum, on y va. En mode attaque. Ok, hop, on va activer l'effet. Il cancelle l'effet. Pas cool. Pas cool, pas cool. Bah écoutez, on a terminé le tour, en tout cas. Parce que là, pour l'instant, on n'y arrive pas trop. C'est pas grave. Contrôleur d'ennemis, donc il va supprimer son monstre pour contrôler le mien. Et il va gagner. Voilà. Bien joué à lui. Bien joué à lui. Plutôt puissant. On va pas se cacher. Plutôt puissant son truc gaga là. Pas dégueu. Pas dégueu, pas dégueu. Il a eu un bon combo. Okay. On y va. On tombe contre qui? D'accord. On est parti. On joue en deuxième. À la limite, je préfère. Ok. Faudrait qu'on ait un monstre de niveau 4 qui nous arrive là. Ce serait pas mal. Malheureusement, c'est pas ça. C'est pas grave. On va l'invoquer normalement. On va. On va poser cette carte-là. On va poser cette carte-là. On va activer l'effet. Deux seulement. Aïe, coup dur. On a quand même un monstre de niveau 4. On en a deux. On a deux monstres de niveau 4, donc c'est plutôt bien. Donc on va invoquer. On va invoquer celui-là. Position d'attaque. Sert à rien, position d'attaque pour l'instant. On va le mettre en défense. Et on va terminer notre tour. Alors, qu'est-ce qu'il va faire? Ok. Il fait un monstre gros. L'invoque qui?
Chaga et cuillère. D'accord. Elle a des effets relous? Yes. Voulez-vous détruire une autre carte à la place de Frodon Morphtronic? Non. Vas-y. Oh, c'est abusé! Il lave mon board, c'est incroyable. Pourquoi? Pourquoi fais-tu ça? Pourquoi es-tu si cruel? Ouais, d'accord. C'est quoi son... Alors... Morphtronic, depuis votre cimetière... Ajoutez un monstre morphtronique avec le même niveau de monstre sur le terrain depuis votre deck à votre main. Position de défense, vous partout, vous pouvez envoyer un monstre morphtronique depuis votre main au cimetière. Ajoutez un monstre morphtronique avec le même niveau que le monstre depuis votre cimetière à votre main. Ouais. Mille d'attaque, il a combien lui? Il y aurait 1300, ça sert à rien. Bah pour l'instant, on est un peu, on est un peu dans le mal, à vrai dire. On va poser en position de défense et puis c'est tout, hein. Là, je vois pas trop ce que je pourrais faire. Je vous avoue. Ça va être un peu compliqué. Okay. Bon, bah il a gagné, les amis. Bien joué à lui. Oh là là, malheureusement, malheureusement, on n'y arrive pas. Hop. On va essayer de s'améliorer, de perfectionner. Hop, on a la thune, c'est ce qui nous importait le plus. Du coup, on est parti. Hop. Tout recevoir. Ok. Est-ce que là on a gagné des petits trucs? Ouais. Pack spécial. Let's go. Ouais. Pas mal, hein? Pas mal, pas mal. Plutôt utile en vrai. D'accord. C'est tout? Ok. 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 Du coup, ce qu'on va faire, on va aller acheter la boîte là. On va aller acheter la boîte. Petite ouverture, boîte. Hop, on descend et on y va. Hop, et on y va. Clac, c'est parti. Ouais. On s'en fiche. Ah, cool, on a la troisième. Ça, c'est bien ça. Parfait, on a la troisième. On s'en fiche, on s'en fiche. Bon, bah, on en a 4. C'est pas grave. Activable uniquement lorsque votre adversaire déclare une attaque directe. Ouais. Ouais. Ok.
Dommage, c'est pas grave. Il faudrait vraiment le microscope là, ce serait vraiment cool. Ah là là, on n'a pas de chance. On n'a pas de chance sur cette ouverture, les amis. Ah, c'est terrible. On n'a rien, rien de rien. Ah, peut-être, peut-être. On espère. Non, rien. On n'a rien eu. C'est dommage. C'est dommage, c'est dommage, on n'a rien eu, les amis. C'est dommage, ça nous aurait bien aidé. Cependant, bah, on fait avec. Alors, comment faire? Comment faire? Comment faire? Parce que tout ça nous aide plutôt bien en vrai. Et on va mettre le. Où est-ce qu'ils sont? Voilà. Pou. Écoutez les amis, on va garder ça. Pour l'instant, on peut pas faire autrement, malheureusement. On n'a rien d'autre. On va sauvegarder ça, les amis. On peut pas vraiment faire autrement. Ah là là, dommage. Dommage, dommage. C'est pas grave. Allez, on y va. On repart. On va pas refaire des petits matchs de compétition. On va essayer de s'améliorer avant. Du coup, pour finir la phase, il nous faut quoi? Tenant l'utilisation de Joey, gagner 3 dans le monde de duel. Donc il faut qu'on se fasse un deck avec Joey et il faut qu'il fasse des sacrifices. Éditeur de deck. Deck de Joey. Hop, ouais. Alors, qu'est-ce qu'on a? Bon, bah, celui-là, on doit le mettre. C'est quoi ça? Dragon ailé de rat. Non invocable spécialement, nécessite 3 sacrifices pour son invocation normale. L'invocation normale de cette carte ne peut pas être annulée. Lorsqu'elle est invoquée normalement, les autres cartes et effets ne peuvent pas être activés. Lorsque cette carte est invoquée normalement, vous pouvez payer des life points jusqu'à n'en avoir plus que 100. Cette carte gagne une attaque et une défense égale au montant des life points payés. Vous pouvez payer 1000 life points, puis cibler un monstre sur le terrain, détruisez la cible. D'accord. Lui, il a combien d'attaques? Il a rien, c'est terrible. Ok, vas-y. On te met dedans. Faut faire des trucs à invocation sacrifice là. Donc, vas-y, on va le mettre aussi. Si, lui, on le met. Alors, une fois par tour, vous pouvez déclarer un niveau de 1 à 8 jusqu'à la end phase. Cette carte devient donc ce niveau. Vous ne pouvez contrôler qu'un magicien Gagaga. Cette carte ne peut pas être utilisée comme monstre matériel de synchro. Donc, ce sera plus pour les Xyz, qui sera très pratique. Ok. Qu'on en a d'autres là qui sont pas mal au niveau des attaques, tout ça là. On va filtrer monstre, vas-y. Lui il est nul, lui il est nul, lui il est pas fou. Ok. Mince, pardon. Ok. Il était à combien lui? 1500? Let's go. 1600. Là, c'est juste un deck nul, hein. On est d'accord. C'est juste pour faire les petites quêtes.
C'est juste un deck pourri, c'est juste pour pouvoir monter après, vous inquiétez pas. Pas de soucis. Cette carte ne peut pas être utilisée en tant que monstre matériel de synchro, excepté pour l'invocation synchro d'un monstre ferraille, et tous les autres monstres matériels de synchro doivent être des monstres ferraille. Lorsque cette carte est invoquée normalement, vous pouvez sélectionner un monstre ferraille et synthoniser ferraille dans votre cimetière et invoquer le spécialement. Ok, si tu veux. Mais de toute façon, t'as une grosse attaque, donc ça me plaît. Ok, donc on est bon. Monstre filtré au niveau des étoiles. Voilà. Hop, 5, 6 et... Ouais, 5, 6, 7, vas-y. Si votre adversaire contrôle un monstre, vous pouvez invoquer spécialement cette carte depuis votre main. Lorsqu'elle est invoquée spécialement de cette façon, sélectionnez un monstre ferraille face recto que vous contrôlez et détruisez-le. Une fois par tour, vous pouvez sélectionner un monstre ferraille de niveau 4 ou moins dans votre cimetière, invoquez-le spécialement sur le terrain de n'importe quel joueur. Plutôt pratique. Donc 1, 2, 3. Ok. Pou pou pou, pou pou pou. On va le mettre encore, vas-y, fais-toi plaisir. Et puis du coup, maintenant, hop, filtrer, on va, hop, supprimer, voilà. Ça, tu y vas, du coup. Carte magie. Magie d'équipement. Boum. On va pas mettre ça quand même, on n'est pas à ce point-là. Bon. Le but c'est juste d'invoquer des monstres et de faire des sacrifices, hein. Donc bon voilà. Il nous manque 4 cartes. Il nous manque 4 cartes. Allez, on va mettre Slifer, on va être content. Hop, on va mettre l'harpie parce qu'on se fait plaisir et que ça n'a aucun sens. Voilà, sauvegarder, c'est juste un deck que j'utiliserai plus jamais. On est d'accord, c'est pas grave. Voilà. Ok. On est avec Joey, ça fait plaisir et on y va. Le but, c'est d'en faire 3. 3 2. C'est de faire 3 invocations sacrifices, faire le truc de Joey et après on reprend un deck qui a des. Qui a un vrai niveau. Et puis après on avance. Ok, on joue en second, c'est pas grave. Ok, donc on a ce qu'il faut pour un sacrifice déjà. Je pioche, cool. Hop, invocation normale. Paf, c'est parti. Allez. On rappelle, le but c'est de gagner 3 fois avec Joey, de faire des invocations sacrifices. Le reste, on s'en fiche. Ok, normalement, oui. Oui. Boum. Votre terrain, évidemment, mon terrain. Quelle idée saugrenue. Hop, combat. Let's go. Hop, on termine le tour. On ne veut pas la tuer tout de suite. Le but, on le rappelle, c'est toujours d'invoquer des monstres. Ok. Donc on y va. Hop. Invocation normale, oui. Boum. On active l'effet. Parfait. Hop, et on termine le tour.
On a fait les trois invocations sacrifices. On va au combat. Et c'est terminé. Ok. Parfait. D'accord. Ça marche. Hop. On doit en faire trois comme ça. Donc on y va. Je suppose qu'il faut qu'on avance dans les phases pour pouvoir débloquer tout ce qui est 5D et GX. Enfin, c'est pas GX, mais c'est 5DS et GX, si, c'est ça. Je suis pas trompé. Allez, on y va. Active. Invocation normale. Hop, on termine le tour. D'accord. Ok. On invoque normal. Hop, combat. Paf, et c'est terminé. On va essayer de faire ça vite, les amis. Ça me plaît pas plus que vous. On y va. Hop, let's go. Ok, c'est terminé. Allez, deuxième combat gagné. On va vers le troisième. On va vers le troisième, on y va. Ok, allez, ramène-toi. Duel, on est parti. On essaye de faire ça vite, les amis, et après on recommence à faire des vrais duels. Enfin, on va essayer de gagner de la thune, et il faut qu'on débloque le personnage de 5DS. Ok, cool. Allez, on pose ça. On invoque ça. On termine le tour. Ok, cool. Parfait. Hop, invocation normale. Paf, on passe en battle phase. On y va. Et c'est parti, prochain tour, elle est morte. Ok. On est parti. Ok, cool. Ok, donc normalement là ça fait 3 victoires. C'est bien. Ça m'est complètement égal. Allez. Cool. Alors, petite mission. Tout recevoir. Ok, cool. On passe au niveau 7. Parfait. Ok, changeur de carte est arrivé dans le monde des duels. Yes. Ok. Qu'est-ce qui se passe? Monde de duels, vas-y, montre-moi. 6 voyageurs sont apparus dans le monde des duels.
En terrassant le voyageur, vous pouvez gagner beaucoup d'XP. Tirez-en profit pour faire facilement monter le niveau de vos personnages. Habile. Yami Yugi est débloquable dans le monde des duels. D'accord. Let's go. Spécial, on a gagné des trucs. Donc ça fait plaisir. Événement, ok, monde. Alors, gagner 5 duels dans le monde des duels. Gagner un duel contre Théa Garner. Faites un échange avec le changeur. Ok, donc on n'est pas obligé de garder l'autre là. Hop, on va reprendre un vrai deck. Fait plaisir. Alors, l'échangeur de cartes, voyons voir. Coucou, Enigme Alpha. J'espère que ça va. Bonjour, Alors, bonjour, je ne vous connais pas, mais vous êtes au bon endroit. On m'appelle le changeur de cartes. Habile. D'accord. Alors, il faut que je fasse une transaction avec lui. Mais actuellement, je crois qu'il n'a vraiment genre aucune carte qui va m'intéresser. On est d'accord? On est totalement d'accord. Alors, lorsque vous êtes face verso, alors lorsque cette carte face verso est détruite et envoyée au cimetière, vous pouvez faire l'invocation spéciale dans votre main d'un monstre de niveau 4 au moins de type machine qui inclut Roid dans son nom de carte. D'accord, donc c'est une carte Roid. Vraiment, il n'y a rien quoi. Il n'y a rien, rien du tout. Il faut que je fasse un échange contre lui, mais il n'y a rien. Rien. Genre, que dalle. Vraiment. C'est aberrant. Ta carte la plus faible, je peux même pas la payer. Vas-y, échange. Vas-y. C'est bon, j'ai fait un échange, ça me le compte comme fait ou pas? Faire un échange avec le changeur une fois. C'est ce que je viens de faire, non? Eh ben non. Bon, eh ben tant pis, j'ai acheté des trucs pour rien, c'est pas grave. Du coup, eh ben on va y aller. Let's go! Faut qu'on avance dans les phases, je crois, pour pouvoir, comment dire, avoir les autres mondes du portail. Donc il faut qu'on y aille. Ok, c'est plutôt pas mal. On détruit sa carte, même si on aurait pu la détruire de base. Mais voilà. Qu'on va pas l'invoquer tout de suite, lui, parce que ça va être galère sinon. On va l'invoquer quand même. On va l'invoquer quand même, parce qu'on a une petite carte et que ça peut être sympa. Donc on y va, on va au combat. Let's go. Let's go, let's go. Hop! Allez, on termine le tour. Let's go. Invocation normale. On va essayer de gagner de l'XP. Boom. Invocation spéciale. Hop. Si t'as gagné l'XP, autant en gagner beaucoup. Ok, activé.
Hop. Donc vraiment ces combats ils sont vraiment pas compliqués mais bon on est obligé un peu de passer par là malheureusement. Donc on y va. On va continuer les amis. Habile. On va y aller. Allez, duel. On joue encore en premier, c'est pas grave. Ok. Ok, c'est normal. Ok, on va utiliser l'effet. On va essayer de tomber sur un 6. On est tombé sur un 1. Pas de chance. Pas de chance, pas de chance. Bah voilà. Notre adversaire ne peut sélectionner un autre monstre. On peut pas l'équiper. Morphtronic. Ils sont morphtroniques, je peux pas les... Bon, c'est pas grave. J'ai pas tout compris. C'est pas grave. C'est pas très grave. On avance. Invocation normale. Ok, donc on va activer l'effet. Boom. On va activer l'effet. Clac, clac, clac. Ok, bah c'est pas grave, on va l'activer quand même au cas où. Non, bah non, pas lui, je suis bête. Combat, let's go. On lui fait 2500 de dégâts. Pose un monstre en position de défense. Hop. On va invoquer normalement. On va activer son effet. On va activer l'effet. On va pas activer l'effet. Mince, je peux pas faire autrement. C'est pas grave. Bon, on va combattre, hein, et puis c'est tout. Non, ça passe pas, c'est sûr et certain. Il avait combien de défense? 400, voilà. 400 près, ça passe pas. Hop, allez. Invocation normale. Parfait.
Parfait, parfait. On active l'effet. Hop, on y va. Ok, donc on a gagné les petites pierres, c'est cool. Malédiction du dragon, pardon. Hop. On a encore les petites pierres qui sont là. Donc on y va. Faire un duel. C'est parti. Toujours pas. Il a combien en défense lui? 1400. Poupou. On va poser. Et puis c'est tout, hein, les amis. On va pas faire grand-chose d'autre. Malheureusement, on n'a pas trop les moyens de faire autre chose. Donc on va terminer notre tour. Ah là là, décidément. Ça doit être exactement le même. Ok, c'est cool, hein? Mais ça serait bien de me rajouter des monstres parce que là, ça va être compliqué. Cibler un monstre, contrôler par votre adversaire, changer la position de la cible, sacrifier un monstre. Allez. Invocation normale. On va activer. Hop. Hop. Combat. Let's go. Allez, on termine le tour. Ça va être relou. Oh, encore? Vraiment? Sérieusement? La flemme un peu, hein? La flemme. Je peux rien faire. Rien du tout. On va terminer notre tour comme ça. Mon Dieu. Ah, enfin! On va pas faire le microscope, on va faire lui là. Ok. Boum. Invocation spéciale. Clac. En position d'attaque. Parfait. Parfait, parfait. Ensuite, on va activer l'effet de ça. On va récupérer lui. Qu'on va mettre en position d'attaque. On va faire un flip.
Hop. Invocation. Voilà. On va activer leur effet. Parfait. Parfait. Allez, on active l'effet. Allez. Clac. Et on termine notre tour. On commence enfin à bouger. On commence enfin à bouger, les amis. C'est plutôt bien. C'est plutôt bien. Allez, on pioche. Parfait. Invocation. C'est qu'une fois par tour qu'on peut activer cet effet. Combat. Boum. Ok, cool. Fin de tour. Hop. Plutôt cool. Donc on y va, combat. Normalement on a gagné les amis, mais de base on avait déjà gagné quand on avait commencé le combat. Hop, parfait. 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 Ok. On a 50, 60 gemmes dans pas longtemps là. C'est plutôt bien. On doit continuer les voyageurs. Hop. On y va. Allez, duel. On joue en second. Donc il y a moyen qu'on gagne au premier tour. Il n'y a pas moyen en fait. boom. Ouais, ça va être compliqué, hein. On va commencer avec une invocation normale. Est-ce qu'on le booste maintenant? Je suis pas sûr que ce soit utile. Hop, combat. Let's go. Let's go, let's go. Ok. C'est à moi. Je termine mon tour. Excusez-moi. Je gère un peu le live via l'application Twitch sur téléphone. On va faire ça. Activer l'effet. La carte à détruire, c'est celle-là. On va envoyer celle-là. Ok, on va activer l'effet. On va activer l'effet. Et lui, il me donne 1000. Donc, on va activer. Voilà. Combat, boum! Parfait.
On continue, les amis. Allez, duel, c'est parti. On enchaîne. C'est à moi de jouer. Ah. Ah. Bah écoutez, on va poser. Et puis, on va terminer notre tour. On n'a pas trop le choix. Ok. On en a encore un. On va activer ça. On espère avoir un autre monstre. Yes, ça c'est cool. On va faire ça. Boom. Position d'attaque, position de défense. Position de défense, tiens. On va changer un peu. Ok. Invocation normale. Tac. Invocation spéciale. Alors, on a Epsilon Villon. Qu'est-ce qu'il fait? Les cartes d'équipement équipées à cette carte ne peuvent pas être ciblées par les cartes. Une fois partout, vous pouvez envoyer une carte d'équipement utilisée à cette carte au cimetière, possible un monstre contrôlé par votre adversaire, détruisez-le. On a le dragon poussière d'étoiles aussi. Durant le tour de chaque joueur, lorsque cette carte a, ou un effet qui va détruire une ou plusieurs cartes sur le terrain est activé, vous pouvez sacrifier cette carte, annuler l'activation et si vous le faites, détruisez-la. Durant la end phase, si cet effet a été activé ce tour, vous pouvez invoquer spécialement cette carte depuis votre cimetière. Habile, lui ne sert pas tellement. On va faire celui-là plutôt. Position d'attaque. Ok, donc on va activer l'effet. On va l'attacher à lui. On va activer. Boum. Combat. Et hop, ça tape. Parfait. On termine le tour. Ok, donc on va activer son effet. Plutôt habile. On passe en battle phase. Et on y va. Et c'est gagné. Parfait, parfait. Reste un voyageur, après on regarde un peu ce qu'on a. On gagne 50, c'est bien. Monde, gagner un duel contre Tagarner, faites un échange avec le changeur de cartes une fois. Mais je veux bien, hein. Mais le problème c'est que je peux pas trop acheter de trucs là. Parce qu'il n'y a rien qui est vraiment intéressant. Il me faudrait des petits trucs comme ça et je sais pas trop où ça se trouve. On va voir au niveau des échanges de tickets s'il y a des trucs intéressants. SR. Voyons voir, ouais. Mmh.
Cette carte est en position de défense face recto durant votre end phase. Vous pouvez ajouter une carte magie d'équipement depuis votre deck à votre main. Elle peut peut-être être utile. Pas elle. Je sais même pas c'est quoi. Sauton Isertain, oui, c'est trop compliqué pour moi pour l'instant. Tout. On a un petit coup Ribaud. Je regarde. Il n'y a que ça. Donc, non, voilà. On va confirmer celui-là déjà. En UR, qu'est-ce qu'on a? Qu'est-ce qu'on a en UR? Eh bien, pas grand-chose. Pas grand-chose. On a encore le truc là. Ouais. Pas grand-chose. C'est pas grave. Les autres, on s'en fiche un peu. On va pas se cacher. Tant pis. Du coup, il faut qu'on aille se battre contre Théa. Ah. Allons-y. Continue, vas-y. Hop, on est parti. On commence en deuxième. Donc vraiment c'est ce que je préfère, commencer en deuxième, comme ça je peux ajuster mon jeu. C'est plutôt cool. J'aime bien. À moi. D'accord. Hop, on va l'invoquer normalement. On va poser une armure de Sakuretsu. Et on va attaquer. Paf, voilà, parfait. Et on termine notre tour. D'accord. Donc on y va. Invocation normale. Ouais, ça revient au même. Donc on y va. Invocation spéciale. Boum. 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 On y va. Ok, on va activer cet effet. On va ramener. Boum, en position de défense. Ce qui va nous permettre, en cas spécial, d'avoir. Allez, le dragon et le noir, on ne l'a pas vu jusqu'à présent. On va l'invoquer. Plutôt badass. Allez, on active. Allez, on va au combat. On tape.
et on tape. Parfait. Parfait, parfait. Okay. Faites un échange avec l'échangeur une fois. Bah ouais, bah j'aimerais bien. J'aimerais bien, j'aimerais bien. Même s'il n'a rien d'intéressant. Un truc le moins cher là. Il faut ça là. Et comment on les obtient, les trucs comme ça là? Je sais pas comment on peut avoir les ressources. Je suppose qu'au shop ça se vend pas, genre de truc. Recommander des boîtes avec objets. D'accord, je vois. Bon, pour l'instant, on n'a pas tout ça. Comment on pourrait faire? La cahier backup, je suis pas sûr. Pas sûr en GCJ, je sais pas trop comment faire. Peut-être ouais, Arène GCJ là. Duel de classement, on va faire des duels de classement du coup, hein. On va y aller, duel. On y va les amis. Commence. Bon, commence bien. Et il termine son tour comme ça, lui. Habile. Le problème, c'est que je ne peux pas l'invoquer, lui. Donc, ce qu'on va faire, c'est que on va le passer en position de défense. Et qu'on va terminer le tour. Que je ne peux pas attaquer malheureusement. Il a beaucoup de cartes, ça peut être vraiment ça peut lui porter préjudice, je pense. En question normale. Ça fait quoi ça? Continue, si vous contrôlez un monstre aux yeux rouges, vous pouvez cibler un monstre normal de votre cimetière, invoquez-le spécialement. Aïe! Coup dur pour le joueur français. Donc on va faire une invocation. Ok. Activer l'effet. Bah merci. On va activer l'effet.
combat, on va l'attaquer directement. Est-ce que ça passe? Ça passe. Ok, cool, on a gagné. Parfait, parfait. Bon, il a à mon avis trop de cartes et du coup il n'a pas pu placer son board. On a eu du mal aussi, nous, hein, on a du mal à accélérer comme ça. C'est un peu dommage. C'est un peu dommage. Bon. On a besoin de gagner de la thune. Ok, donc c'est ici qu'on a les... Ok, donc on va refaire des combats comme ça. Ok. Hop, on recommence. Petit duel. On est parti. Ok. On joue en second. Ok, donc on va activer ça. Paf. Non. Ok, malheureusement, c'est pas possible. Donc on va faire invocation normale. On va activer l'effet. Allez, tape-moi un 6. Ah, mais c'est quoi ça? Dommage. Bon, t'es pas grave. Combat. Hein. Let's go, on va lui faire 100. C'est toujours ça de prix. Allez. Malheureusement. Carte magie, navigation des magiciens. Il va pouvoir aller récupérer une carte magicien, je suppose, de son deck. Ah d'accord. Un plaisir. Bonjour madame. Allez, attaque-moi. Tu peux attaquer ce tour-là ou pas? Ok. Il fait très mal. Faut qu'on pioche une bonne carte parce que sinon on va être très vite être dans la panade. Yes. J'ai quoi dans mon cimetière? J'ai que dalle. Détruisez durant votre end phase. On va le faire. On va faire ça. Tu chaînes. Ça fait quoi? Ça fait que c'est pas que je peux pas utiliser.
Ok, c'est pas grave. Invocation normale. Ok, on termine notre tour. Je sais pas si on va s'en sortir, les amis. On va essayer. On va essayer. Let's go. Il fait fin de tour. On va pas lui. C'est quoi ses effets? Cette carte. Ouais, d'accord. Ok. Eh bien, écoute, yes. Actuellement, je peux pas trop faire autrement, donc on va aller au combat. Alors, qu'est-ce qu'il va faire? Il pose un monstre. Ok, cool. Cool. Donc, on invoque lui. Hop, confirmé. Boum. Boom. On a gagné. Ouh. On a gagné, les amis. Ça fait du bien de gagner. Ok. Ok, on est monté, les amis. On est monté, c'est bien. C'est bien, c'est bien. Bonne nouvelle. Quoi, continuer. Let's go. On est parti. Ok. On y va. Ok, on joue en second. Pas forcément ce qu'il y a de mieux. Ok. Hop, invocation normale. On va activer. Allez, fait 6. Ouais, cool. Cool. On fait 6. Ah, il a en manque de réseau, lui, de son côté. Nous, on est bon. Ok, cool. Position de défense, tiens.
position de défense. Mince! On peut pas activer du coup. Le boulet. Le boulet, je suis un boulet. Termine le tour. Je suis El Famoso Buleto. Voilà. C'est un plaisir. On y va. Ok, il fait bête d'assaut. Ok, je suppose qu'il va me laminer. Vas-y. Faut qu'il tape lui. Oh non, il est intelligent, ça me saoule les gens intelligents là. Ok, il a combien lui? Ouais, on va activer son effet. Ok, est-ce qu'on peut retomber sur un... Yes, cool, parfait. Parfait, parfait. Hop, position d'attaque cette fois, on fait pas la bêtise. Ok, donc on active son effet. On va prendre lui en position d'attaque. Hop, liste. On va invoquer lui. Position d'attaque. Ok, cool. On a réussi, parfait. Pourquoi je peux pas lui équiper à lui? Oh, je suis débilus, c'est affolant. Ah, on n'a pas fait d'invocation normale encore, cool. Ouh. Ça nous sauve la vie. Parfait. On va activer l'effet. On va l'équiper. Hop, combat. On y va. Boum. Et on a gagné. Ouh. Ça fait plaisir. Ça fait plaisir, les amis. C'était pas gagné, on a gagné. Cool. Cool. Ok. Je sais pas trop ce que c'est la pioche de la destinée, on verra bien. On va continuer histoire d'avoir pas mal de petits éléments, de petits objets là, parce qu'on en avait besoin. South Africa, d'accord. Bah cool. Bah écoute, cool. Ok, on joue en premier. Ok, parfait. À mon tour. Invocation normale. Parfait. Activer l'effet. Boum. Position d'attaque. Ok. Liste. Invocation spéciale. Dragon électromécanique. On est parti. Ok.
On va activer l'effet. Vas-y, choisis entre les trois. Je te fais plaisir. Parfait. On va activer l'effet. Et on va terminer notre tour. Alors, dragon détonnant. Je suppose qu'il a un effet. Détruisez le monstre qu'il a détruit. Aucun joueur ne reçoit de dommages de combat. Ok. Le coup, c'est à moi. Oui. Donc c'est à moi. Invocation normale. On va activer son effet. Go. Ajouter à votre main, on va ajouter celui-là. Ça me semble mieux actuellement. Je l'ajoute à ma main, mais je peux pas l'invoquer malheureusement. Lui, on peut pas activer son effet. Si, on peut activer son effet. Boum, boum, boum. I want you in my room. Let's go. Du coup, il va choisir quoi? Je pense qu'il va choisir. Bah, n'importe en fait. Le petit truc là, ce serait plus intelligent. Il l'a pas choisi. Très bien. Ça, quel plaisir. Boum, combat. On va taper avec lui d'abord. Ok, on tape avec lui. Sa carte piège s'active pas du tout. Enfin, sa carte ici. Donc, très bien. On va terminer notre tour. Il invoque un monstre en position d'attaque. D'origine devient 1000. Sinon, vous pouvez cibler un monstre de type dragon sur le terrain. Bon, on va bien voir ce qu'il va faire de toute façon. D'accord. Il invoque un dragon blanc aux yeux bleus. C'est une grosse bestiole en effet. En position de défense. 0-0. Ok. Elle va être détruite. Combat. Ah oui, bah du coup. Pourquoi il a fait ça? Ok. Ok, on peut pas activer les effets, c'est pas grave. On va activer cet effet-là. À détruire, moi je veux détruire celle-là. Et je vais renvoyer.
envoyé lui. Non, j'ai envoyé elle. Ok. Donc on va combattre. Let's go. Bon, ouais, ben on a gagné, parfait. Parfait, parfait. Plutôt cool. Ok, on a eu des petites clés. On est monté rang 2. Est-ce que ça suffit ou pas? Pour le gars là. Je sais pas du tout si ça suffit. Toujours pas, on en a zéro. On en a zéro. Bon, et ben on peut rien faire, donc on peut pas passer à la phase suivante, malheureusement. Donc bon, c'est un peu dommage. Alors qu'est-ce qu'on a là-haut? Bah tout recevoir. Carrément. Ok. Vous pouvez échanger de l'or ou des objets d'échange contre de nouvelles cartes. Il y a deux types d'objets disponibles chez l'échangeur, les cartes vedettes et les inventaires normales. Okay. Objets d'échange, ce sont des objets dont vous avez besoin pour obtenir ces cartes, ainsi que d'autres objets auprès du changeur. Vous pouvez obtenir ces objets d'échange soit en accédant au catalogue de cartes pour convertir des cartes, soit dans les récompenses de duel. D'accord. Voyons voir s'il y a des cartes qui ne nous servent pas et dont on n'en a rien à faire. Catalogue de cartes. Voyons voir. Ça nous plaît bien. On va éviter. Donc, Securizu, c'est pareil. Ça, c'est pareil. C'est quoi ça? Tant que vous contrôlez un monstre, vous ne recevez aucun dommage de combat. Non, ça, on va garder. Hein. Ça a l'air plutôt efficace. Bébé dragon, on va garder aussi. Ça, on garde. Truc ferraille, là, on garde. Ferraille. Chien automate. Convertir. Et ça me fait combien en... ça me convertit en quoi? Ok, cool. Ah, mais du coup, il faut que je convertisse des trucs genre air ou ténèbres, n'importe. Est-ce que j'ai des trucs comme ça nuls? Non, ça c'est terre. Ça c'est air, mais on garde. Ça on garde. C'est terre, vent. Ouais, on va garder quand même. Ça c'est bon. Ça c'est bon, ça c'est bon. C'est quoi ça? Magie. Cibler un monstre synchro sur le terrain, renvoyer la cible dans l'extra deck, puis si tous les monstres qui ont été utilisés pour l'invocation synchro de monstres sont dans votre cimetière, vous pouvez tous les invoquer spécialement. J'en ai 8. On va les convertir. On va en garder que 3. Parfait. Parfait. Ok, cool. Cool. Donc, normalement, on a ce qu'il faut. Boum, voilà. Échanger. Voilà. Ça ne sert à rien, mais on s'en fout. Voilà. Comme ça, on a fait nos missions. Oui, enfin. Enfin, les amis, enfin. Donc pour information, j'arrête à 14h.
Donc, tous ceux qui sont là, du coup, vous pouvez savoir que j'arrête dans un gros 20 minutes. Voilà. Les listes de decks ont été débloquées. Essayez de construire des decks en utilisant différentes listes de decks. Ça va aller, merci. Attends. Oh non, ils vont m'obliger à aller là-dedans. Oh, les relous. Liste de deck. Bon, on va aller vite là-dessus parce qu'on s'en fiche. Trop bien. Mon Dieu, que c'est relou. C'est la fin du didacticiel. Ok. Définir. Non. Comment on fait pour l'enlever? Liste de deck reçue. Voir les listes de deck. Comment on peut l'enlever? Parce que j'en ai rien à faire de ça, moi. Je ne sais pas du tout. Il m'oblige à faire des trucs dont je n'ai pas envie. Bande de sales sales. Est-ce que c'est là-dedans? Genre dans la liste de deck plutôt que dans le raccourci. Ça change absolument rien. Mais d'accord. Actuellement attribué. Oui mais non mais t'es gentil mais moi je veux pas. Donc comment on fait? Bon c'est relou. On est d'accord. On est tous d'accord pour dire que c'est relou. Très bien. Spécial, recevoir. Let's go. Monde. Gagner 6 duels dans le monde de duel. Exécuter 3 invocations sacrifices. Ok, donc on est obligé de reprendre Loser Wheeler là. Let's go. Allez. On va essayer de faire les 3 invocations sacrifices, après on prend un vrai deck. Ok. Vas-y. Ok, c'est bon. On commence très bien. Ok, combat, boum. Allez. Et de une, combat. On y va. Si les duels nuls, on est désolé. Combat, boum, voilà. Allez, termine le tour. Ça fait 2-2. Hop, on termine le tour.
Ok, on pose la carte piège. Boum, voilà, invoquer normalement, comme ça fera 3. Ça ne sert à rien, on est d'accord, mais voilà. Comme ça, on se débarrasse de ce truc. Et on avance. Que ça va servir à quelque chose, je ne crois pas. Voilà. Parfait. On y va. Parfait. Ça c'est fait. On peut reprendre Yugi. Et ça fait plaisir. Du coup. Ça c'est good. On y va. Boum. Salut toi. Duel. Et on est parti les amis. Dans 15 minutes, j'arrête le live. Donc on va essayer de continuer. Ça serait bien si on pouvait finir sur une note sympathique. À mon tour, invocation normale. Ok, boum. On va le poser parce que voilà. Et on termine le tour. À mon tour. Cool. Ok. Donc on invoque. Combat. Ah, flip. Parfait. Parfait. Ok, cool. Combat. Si tu veux, mais ça ne change absolument rien. Let's go. On va essayer de se dépêcher. Cool, on a les 60. Donc on y va lui. Petit duel, on y va, c'est parti. Ça devrait aller assez vite. On commence en premier. Ouais, d'accord. Hop. D'accord. Bon, clairement, voilà. Paf. Allez, combat. Boum.
Et ça tape. Et c'est parfait. Parfait. Ok. Il nous en faut encore combien? 6, donc il nous en faut encore 3. Bah salut, peut-être que tu seras un peu plus dur. Ce simple duel déterminera mon destin. Et si nous sommes prêts à aller chacun de notre côté, je dois me battre de toutes mes forces. C'est l'heure du duel, Yugi. Si je ne m'endurcis pas et que je ne me fais pas confiance, tu ne seras jamais libre. Alors, je veux mettre tout mon cœur dans ce deck et te battre. Et bah, duel. Let's go. Ah, je ne joue pas avec mon deck. Très bien. Je habile. Alors, attends. Spadassin, et lui c'est magicien. D'accord, je suppose que c'est quand je... Aha. Annule les effets, machin. Dans la scène by phase, vous pouvez envoyer cette carte face recto au cimetière, ok, spécialement Spadassin. Vas-y. On va essayer, on sait jamais. Chevalier d'arène, donc ça passe pas. C'est pas très grave. Il va se faire tuer. Vu que c'est pas mon deck, je sais pas du tout comment ça va se faire. Donc je ne sais pas du tout. Ok, donc le gars est chaud. Et bah, je crois qu'on peut dire qu'il m'a battu, hein. Voilà. Donc nous avons perdu. J'avoue que je ne connais pas du tout ce deck. Donc c'est assez complexe. On y va, là c'est avec mon deck, donc normalement ça devrait être beaucoup mieux. Ok. À moi de jouer. Quoi faire, une invocation normale? Hop, et on va poser ça. À moi, allez, à mon niveau, ça va pas m'aider. Un truc avec le même niveau que ce monstre depuis le deck à votre main. Bah ouais, mais le truc c'est que je n'en ai pas. Donc on va mettre ça comme ça et on va terminer notre tour parce qu'actuellement on peut faire rien d'autre malheureusement. Oh là là, malheureusement, malheureusement. C'est bien, mais ça ne nous avance pas à grand-chose. Donc on va continuer, on va terminer le tour. Parce qu'actuellement, on ne peut rien faire d'autre. C'est là où, du coup, notre deck, si on n'a pas les bonnes cartes en main, on ne peut rien faire, en fait. Il tourne pas assez bien. Bah ouais. Oui, c'était le risque, malheureusement, on peut pas faire grand-chose. Je peux rien faire d'autre.
Ok. On va de suite l'activer. La carte à détruire. Vas-y. Cool. On peut activer son effet. Boum. Et on va détruire n'importe. Vas-y. Boum. Invocation spéciale. On va invoquer lui. Position d'attaque. Après, quand on a les bonnes cartes, ça tourne bien. Mais le truc, c'est que on peut choke des fois. On peut vraiment, vraiment avoir une main dégueulasse avec laquelle on peut rien faire. Ce qui pose un peu problème. Hop, voilà. Combat. Mais vu que tout on est tour 10, en vrai, vu que l'adversaire c'est une bille, ça passe. Mais le truc, c'est que si c'était dans un vrai match, on serait déjà mort en fait. Bon, vas-y. Juste pour gagner de l'XP. Salut. On va activer. On va l'équiper à lui. Voilà. On va activer ça. Parce que ça fait toujours plus d'XP. Ça fait plaisir. On attaque avec lequel? Avec lui. Allez, c'est parti. Ok, cool. Cool. Parfait. Il nous en manque toujours une deux. Il nous en manque deux. Let's go. Allez, on va essayer de faire ça vite, les amis. On joue en deuxième. Qu'on y va. Ok, cool. Allez, invocation normale. Bon, on active l'effet. On invoque ça en position d'attaque. Invocation spéciale, le dragon. Let's go. On est parti. On a le dragon. Ça c'est cool. Hop, on va activer l'effet. On va activer l'effet. On peut pas lui activer l'effet, donc c'est pas grave. On va aller au combat et on va le taper. Il va lui rester pas beaucoup. Voilà. Et on termine notre tour. On va activer parce que ça fait toujours du bien pour l'XP. La carte à détruire, c'est celle-là.
va activer. Fait toujours plaisir. Boum. Ça part. Ça part, ça part. Ok, cool. Voilà, ça fait de l'XP, ça fait plaisir. Ok, je crois qu'il nous en reste un et on a fini. Et ce sera le dernier combat d'aujourd'hui, les amis. Ou en tout cas, pour cette session. Je ne sais pas si je reviens ce soir ou pas. Je vous avoue que ça va être un peu compliqué parce que j'ai pas mal de courses après-midi. Du coup, bah les cours d'abord, hein, on est bien d'accord. Donc voilà. Salut. Ah bah t'arrives quand je pars, moi. C'est dommage, c'est dommage, c'est dommage. Hop. Du coup, qu'est-ce qu'on fait? Alors 5DS, c'est débloqué? Non, pas encore, pas encore. On est bien d'accord qu'il faut augmenter en phase pour débloquer 5DS. Je viens de me réveiller, sorry, mais t'as bien droit de dormir. T'as tout à fait le droit de dormir. Allez, combat, boum. Donc là, on est en train d'augmenter les phases, on perd 200, c'est pas grave. C'est pas grave, c'est pas grave, on termine le tour. Bah, armure de Sekiretsu, hein. Ok, on pioche. Très bien. Activation normale. Hop, on active son effet. On invoque lui. Ah ouais, Morphtronic est là, carrément. Carrément, carrément. Du coup, paf, invocation. J'avais misclick, ça arrive. Du coup, go. Go, go, go. On est parti. Ok. Donc, paf, on active son effet. Vas-y, choisis entre ça, ça et ça. Parfait. On va activer. On va l'activer à lui. Voilà. Combat. Let's go. Avec l'UA, tu vas pouvoir débloquer le smartphone Morphtronic. Ouais, bah j'espère. Hein. Il me le manque. Il me le manque, il me le manque. Donc on essaie d'y aller. On essaie d'y aller vers les portails 5DS. Ton deck va encore mieux tourner. Bah j'espère. Des fois je choke un peu là. Des fois il y a des petits problèmes dans le deck. Soit j'ai une main qui est plutôt efficace, soit j'ai rien du tout. Donc ça pose encore un petit peu problème. Mais ça roule bien. Enfin, en général, ça va. En général, ça va. Ok, donc on a terminé normalement. C'est parfait. On a ça. C'est parfait. Et du coup, on a 505. On passe au niveau 9. Vous avez mené toutes les missions. Vous passez maintenant à la phase 9. À présent, le vagabond apparaîtra. Le vagabond est un dueliste, nimbé de légendes et de mystères, qui fait de rares apparitions dans le jeu. Ok, ça marche. Une mission pour débloquer le monde 5DS est disponible. Ah, ben on la fera la prochaine fois, parfait. Parfait, parfait. On fera ça. On fera carrément ça. Pour l'instant, on va juste s'ouvrir. On va s'ouvrir des boosters. Ça joue beaucoup de niveau 3 Morphtronic. Ouais. Bon, en fait, les synthoniseurs sont niveau 3 et les monstres classiques sont niveau 4. Donc, boîte, paf, on va s'ouvrir des petits packs parce qu'il nous manque encore pour tourner mieux 2 SR. Donc, il faut qu'on aille les choper, ces 2 SR. Il nous manque le smartphone, pas le smartphone, mais qu'on a le téléphone et le microscope. Donc on est parti, on ouvre 10 packs. Et let's go. On finit par une ouverture, ce qui est plutôt cool, hein. On va pas se cacher.
Ah, peut-être que ça va être mieux cette fois-ci. Ah, explorateur de ferraille, soldat automate, chimère de ferraille, bon. C'est pas grave. Encore? Cool, bah ça rattrape la fois dernière. Donc on est parti. Ah, on va peut-être avoir un truc pas mal, hein. Carte magie, donc pas vraiment. C'est pas grave. On avance. C'est dommage, on l'a quand même pas mal de fois. Ok, mais on l'a beaucoup trop de fois. Il nous faut vraiment les deux SR, c'est tout ce qu'il nous faut. Donc c'est possible qu'on n'ait pas grand-chose, mais on va essayer les amis, on va essayer. On est au sixième pack sur 10. Allez, élément vilon. Dommage, dommage. On aura quoi de faire des trucs ferraille ou automate, hein. Vu le nombre de trucs qu'on a, c'est incroyable. Allez, le dixième, et il n'y aura rien dedans, malheureusement. Ah, si, peut-être, peut-être. Non, ça va être une rare. Ça va être full une rare. C'est dommage. C'est dommage. Ça va être soit ça, soit ça. Je pense que ça va être ça, là. Ouais, voilà. Bon, et eh ben les amis, c'est ici qu'on se laisse. J'ai un cours que je ne dois pas rater, sinon ça va être la merde pour moi. Voilà. Donc, merci à tous d'avoir suivi ce live. J'espère vous retrouver nombreux au prochain. N'hésitez pas à partager le live, à partager le replay, à vous abonner, à parler de la chaîne à votre entourage. Ça me fait vraiment, vraiment plaisir. Ça m'aide beaucoup, ça me soutient, c'est vraiment incroyable. Donc, merci à tous. Je vais vous dire à très vite. Passez une bonne fin de journée. Et on se retrouve très bientôt. C'était Atis. Salut tout le monde.